Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui les Louini Schmat et Chayester Bat Miriam, Rosette Zohara Bat Sultana et Maurice Moshe Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Eruvin, Perek Zayin Mishnah Bet. Kotel Sheben Shte Chatzerot Gavua Asara, Erachav Arbaa, Me'arvin Shnaim, Ve'en Me'arvin Echad. Hayu Berusho Perot, Elu Olin Mikan Ve'ochlin. ואילו עולין מכאן ואוכלין, ובלבד שלא יורידו למטה. נפרץ הכותל עד 10 אמות, מערבין שניים, והם רצו מערבין אחד, מפני שהוא כפתח. יותר מכאן מערבין אחד, ואין מערבין שניים. נן משתדבנו כרולטיבמן סמפל, הקופרנדו לפרנסיפ, מאפר רנטרי תוסן דולמו, אלור סאסי קומפלקס, פסקי למשל והפרזנטס אבקנקה קומפליקי, כי הם נופר רנטרי נותנים מסוער בפלוס, délicate, qui en plus de ça ne s'arrange pas avec une halakha qu'on découvrira plus loin, que du coup la gamin elle essaie de tout arranger. Du coup, les principes ils sont très faciles et je préfère commencer par vous présenter les principes, vous dire les quelques halakhot qui en découlent et puis après on fait rentrer tout ça dans le mode de la Mishnah et tout ira bien. Tout d'abord, le principe de base, c'est le même qu'on a vu dans la Mishnah Aleph et on le reverra encore dans la Mishnah Gimel, à savoir, lorsqu'on est associé dans une cour, par exemple on est 3 habitants, 4 habitants, 5 habitants, chacun doit, si on veut pouvoir sortir des affaires de chez, depuis notre maison jusqu'à dans la cour commune, eh bien, il faut qu'on fasse un hérouve, il faut qu'on s'associe avec. S'il y a une personne d'entre nous qui oublie de faire le hérouve, qui ne vient pas, qui ne paye pas sa cotisation, il bloque tout le monde. On n'aura plus personne qui pourra faire sortir de la maison jusqu'à la cour, sauf si on y procède avec le bitoul, comme tout ce qu'on a appris. Pour le moment, ce qui m'intéresse, donc, c'est qu'il nous interdit. Pourquoi? Parce qu'on a une seule cour. Point. Deuxième situation maintenant. Imaginez qu'en fait, on est tous les deux voisins, mais pas voisins dans la même cour. On est deux cours mitoyennes. On est chez nous, on est 5 habitants. Moi, je suis la cour de droite, avec 4 voisins. Vous habitez dans la cour de gauche, juste à côté. On est séparés par un mur entre nous. Et voilà. Donc, c'est le principe de base qu'on a déjà découvert dans la mission précédente. Tout d'abord, puisqu'on a un mur entre nous, on est deux entités différentes. Nous, on est une cour, vous êtes une cour. Nous, de notre côté, on a l'obligation de faire le verrouf. Et si on ne fait pas le rouvre, on ne pourra pas faire sortir les affaires de chez nous jusqu'à la cour, notre propre cour commune. Mais si vous avez oublié de faire le hérouve dans votre cour, vous ne nous dérangez pas du tout, parce que vous êtes à part, d'accord? Donc nous, on aura fait un hérouve qui est bon. Autre cas de figure maintenant, ça c'est le principe de base, et le cas de figure opposée, c'est si toutefois le mur entre nous, il est partiellement tombé, avec une ouverture plus large que 10 amas. Donc 5 mètres, plus large que 5 mètres. Alors maintenant, il s'avère qu'on forme maintenant une seule grande cour, vous et notre cour, nos 5, et vous de l'autre côté avec vos voisins aussi. Bon, puisqu'on a un mur, le mur qui nous sépare, il est tombé en faisant une pirtsa, une ouverture plus grande que 10 amas. Alors maintenant, il s'avère qu'on est tous venus une grande cour, on a l'obligation de faire le hérouve entre nous. Et il y a une situation intermédiaire, maintenant, c'est le cas où on est tous les deux côte à côte, on habite à droite, vous êtes à gauche, avec vos voisins, mais on a une fenêtre ou une porte entre nous. Alors là, on a la possibilité de faire ce qu'on veut. Soit on décide qu'on fait bande à part, chacun y fait son hérouve tout seul. Et dans ce cas-là, personne n'influence à l'autre. Ou soit, on décide que finalement, puisqu'on a une porte, allez viens, on va faire un seul méga hérouve entre les deux cours. Et dans ce cas-là, on est devenu une seule grande cour. Quel est l'avantage de faire un grand hérouve entre nous tous? L'avantage, il est qu'on va pouvoir porter d'une cour à l'autre. Parce que, et là, je vais vous mentir un petit peu, c'est pas que je vous mens, c'est que je vais prendre part à une discussion en parlant selon mon avis, qui n'est pas retenu dans la halakha. Le Bartanoir, il n'a pas fait ça dans la Mishnah, mais il a compliqué énormément la Mishnah. Donc je commence par là, puis après je vous expliquerai où il va falloir rectifier. Tout d'abord, il y a un avis qui pense que si toutefois, maintenant, on a deux cours distinctes, il y a un interdit de porter d'une cour à l'autre. Du coup, si on fait chacun notre hérouve à part, envoyer les affaires d'une cour à l'autre. Soit, j'illustre ça, on a toujours notre cour, attention, on part d'un mur qui nous sépare, qui a une hauteur de 1 mètre, 1 mètre et demi. On se voit, on se fait coucou, on serre la main, mais on n'a pas le droit de se faire passer les choses d'une cour à l'autre, parce qu'on n'a pas fait de hérouve entre nous. Si on a une porte, on a la possibilité, une porte ou une fenêtre, alors on a la possibilité de faire un hérouve entre nous, on pourra faire un hérouve entre nous, et dans ce cas-là on pourra faire passer les choses. Mais si on n'a même pas de porte, on ne pourra pas faire un hérouve entre nous, on n'a aucune solution pour qu'on puisse faire passer les objets d'une maison à l'autre. Il va falloir nécessairement casser le mur,
ou mettre des escaliers devant, mettre une échelle, toute une histoire, on en parle longuement dans la Gemara. D'accord? Pourquoi? Parce que, donc, retenez bien le principe, si on a deux cours distincts, ils ne peuvent pas s'associer. Ils ne peuvent pas s'associer. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que nous, en tout cas pour porter de notre maison jusqu'à la cour, on est un seul hérouv. Si vous, de l'autre côté, vous n'avez pas fait le hérouv, tant pis pour vous, ça ne nous concerne pas. Mais il y a aussi des inconvénients, c'est qu'on ne peut pas faire passer d'un mur à l'autre. Alors que si on a une ouverture entre nous, si c'est une ouverture classique, on peut décider. Soit on s'associe tous ensemble, et dans ce cas-là, on pourra même faire passer d'une cour à l'autre, soit on décide de faire bande à part. Et dans ce cas-là, si vous oubliez de votre un problème chez vous, c'est votre problème. Mais nous, on pourra porter, mais on ne pourra plus faire passer. Mais si tout le monde a fait le hérouf chacun de son côté, on ne pourra pas faire passer les objets d'un côté à l'autre. Ok? Et je continue maintenant en accentuant encore un détail. Un détail, et tout ça, et après vous allez tout comprendre dans la Mishnah. Après je vais lire et traduire la Mishnah, vous allez voir que tout ce que je dis c'est écrit, et après je vous expliquerai pourquoi ce que je vous ai dit c'est pas exact, et qu'il va falloir remodifier certains détails. Maintenant, nouvelle situation maintenant, c'est que, maintenant, je vous ai dit, le mur qui nous sépare entre nous, imaginez maintenant, on va prendre le cas de figure où il y a un mur entre nous, mais il n'y a pas d'ouverture. Donc on est obligé chacun de faire un hérouv à part. Comment considérer le haut du mur qui est entre nous? Il y a une épaisseur dans le mur. Si on a posé des fruits là-bas, on a le droit de les manger? Pourquoi? Quel est le problème? Il y a un problème que maintenant, puisque je n'ai pas le droit de prendre les objets de votre cour et les faire passer chez moi, les objets de ma cour et les faire passer chez moi, ce qui est au milieu entre nous, il est considéré comme quoi? Comme nulle part? Comme moitié chez vous, moitié chez moi? Comment le considérer? Sur ça, la Mishnah va me parler d'un cas particulier où il y a un mur qui a une largeur. Si le mur il a une largeur de 4 tfachim, ou moins de 4 tfachim. Moins de 4 tfachim, c'est plus écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans le Martenora. Alors, je commence avec le cas. Si le mur, d'abord, il a une largeur de 4 tfachim, il est considéré comme un endroit indépendant, distinct. Du coup, on n'a pas le droit de prendre les objets qui sont posés dessus, les faire entrer chez moi, et ni vous de l'autre de votre côté. On a la possibilité de manger les fruits de quelle manière? On monte manger sur le mur. Moi, je monte manger sur le mur. Je monte sur le mur, sur le rebord. Je suis assis là-bas sur le rebord, et je peux manger les fruits qu'ils ont posés sur le mur, sur le rebord. Vous aussi, vous pouvez monter, on mange ensemble. Mais on n'a pas le droit de prendre les fruits qu'ils ont posés sur le mur et les faire descendre dans la cour. Pour quelle raison? Parce que maintenant, puisqu'elle a une largeur de 4 tfachim, c'est un endroit distinct. Donc il y a moi, ma cour, j'ai le droit de porter dans ma cour, puisque j'ai fait le hérouv. Il y a cette cour-là où personne n'a fait le hérouv et personne ne peut faire le hérouv. Alors, elle reste toute seule. Et il y a la cour de l'autre côté, la vôtre. Si vous avez fait le hérouv, vous pourrez aussi le porter chez vous, mais pas de chez vous à chez moi, ni même de chez vous jusqu'à ce mur, muret entre nous de 4 tfachim de large. Si le mur fait moins de 4 tfachim de large, alors là on a l'avantage qu'on va rentrer dans une règle que ça s'appelle un makom tour. C'est un endroit dispensé, un endroit qui n'a aucune définition, et on peut porter de lui au rejouta yachid ou au rejouta rabim. C'est makom tour. Dans ce cas-là, on a le droit de prendre les fruits qui sont basés dessus et de descendre chez moi. Moi, j'aurais pas le droit de prendre vos fruits de votre propriété, mais les fruits qui sont posés sur le mur, j'aurais le droit de les prendre. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça a été clair. On va maintenant lire toute la Mishnah. Je vous ai dit tout ce qui est écrit dans la Mishnah. Le seul problème, c'est que c'est faux. C'est faux, c'est pas exact. Et je commence. Kotel Sheben Shteh Hatzerot. Un mur qui sépare deux cours, qui est entre deux cours. Gavoa Asara, il a une hauteur de 10 tfachim. Verachav Arba, il a une épaisseur de 4 tfachim. Donc c'est devenu un makom chashuv. Ben la Mishnah me dit, ah, puisqu'il y a un mur entre vous, Me'arvin Shnaim Ve'en Me'arvin Echad. Il faudra faire deux hérouves et on ne pourra pas faire un hérouve. C'est-à-dire, si on a envie de faire un hérouve, moi de mon côté, dans nos voisins qui sont là, et vous de votre côté, alors chacun devra faire bande à part. On va faire deux hérouves, un chez vous et un chez nous. Mais Ven Mervin Echad, on ne pourra pas faire un seul hérouve commun parce qu'on n'a pas de porte entre nous. On a un mur de 10 tfachim qui nous sépare. Maintenant, la Mishnah, puisqu'on a parlé d'un cas, d'un mur qui fait 4 tfachim, alors la Mishnah enseigne, tu sais, s'il y avait sur l'épaisseur du mur, à sa tête, donc sur l'épaisseur du mur, il y avait des fruits. Ceux qui habitent ici, nous les habitants de notre cour, on pourra monter sur le mur, nous asseoir et les manger là-bas. Et vous, vous pourrez aussi monter sur le mur, nous asseoir, on se fera un repas ensemble, si vous voulez, sur le rebord. Mais par contre, quoi, au bilvad, chez l'Oyurido le matin, ils ne pourront pas descendre les fruits qui sont posés, les mettre en bas de leur cour. Pourquoi? Parce que là, c'est une cour distincte qui n'a pas fait de hérouve, on n'a pas le droit de porter d'une cour à l'autre. Tel est l'avis de notre Mishnah, apparemment. Et la Mishnah continue maintenant en me donnant la lachot des murs qui séparent. Nifrat sa kotel à des seramot.
Si le mur maintenant il est tombé, il s'était cassé avec une largeur de plus que 10 amas, donc c'est devenu une pirtsa très grande, alors, dans ce cas-là, Nifat Sakotel a des seramot plutôt, je rectifie. Si c'est a des seramot jusqu'à 10 amas de 0, de plutôt de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10, Marvin Shnaim, Vimratsu Marvin Khan. Ils pourront faire deux hérouves, et s'ils veulent, ils pourront même faire aussi un hérouve. Là, c'est comme l'histoire de la porte. On a une porte entre nous. C'est-à-dire, on a un mur qui nous sépare, mais on a la possibilité de communiquer entre nous aussi. On a une porte, on a une fenêtre, ou on a un mur qui est tombé. Parce que si le mur, il n'est pas tellement large, il a un statut de porte. Dans ce cas-là, si on veut, on fait un hérouve, chacun un hérouve, un méga hérouve commun entre nous tous, ou on fait chacun son hérouve de son côté. Mipene chouke pétard, parce que c'est considéré comme une porte. Par contre, Yoter Mikan, si le mur il est tombé à plus que 10 amas de large, alors maintenant, il s'avère que maintenant, il n'y a plus rien qui nous sépare. Même si concrètement, il reste des morceaux de mur sur le côté, mais c'est fini. Une ouverture, une pierre de plus que 10 amas, c'est plus une ouverture. C'est plus une porte, il n'y a plus de mur du tout. Une porte, vous comprendre, une porte, c'est vrai qu'il y a une ouverture, mais une ouverture qui distingue deux endroits. À la différence que quand il n'y a plus de mur, il n'y a plus deux endroits. D'accord? Pardon. Maintenant, Yoter Mikan. Si le mur, l'ouverture, elle est tombée, Yotermikan plus que 10 amas, Marvin Echad, Ven Marvin Shaim, ils devront faire un seul grand hérouv, mais ils ne pourront plus faire deux hérouv chacun indépendamment. Voilà pour la Mishnah, donc j'étais fidèle à tout ce qui est écrit, et il y a un avis qui explique comme ça la Mishnah, effectivement. Le problème maintenant, je vous le dis très rapidement dans la raison de mieux le voir quand on sera au début du Pirek Tet, mais la Lacha, on retient que. Comment je vais le dire facilement. Tout d'abord, toute l'inte, on va le dire comme ça. Je laisse de côté un petit peu le cas avec l'histoire du mur et l'épaisseur du mur. Juste une halakha qui nous dit que vous savez, toutes les cours, elles sont considérées comme un seul grand réchoute, même si elles appartiennent à des propriétaires différents. Soit, imaginez, je reviens sur notre cas. On est nos voisins, on est tous là chez nous. On a fait le hérouv chez nous. Vous avez fait le hérouv chez vous. On ne fait pas de rouvre entre nous parce qu'on a un mur qui nous sépare, comme on a dit. La halakha me permet de prendre les choses qui sont dans ma cour et les faire passer chez vous, et les choses de chez vous, les faire passer aussi chez moi, aisément, sans aucune restriction. D'accord? Parce que toutes les cours, même si elles appartiennent à des propriétaires différents, elles sont considérées comme un seul grand domaine. Ouais. Par contre, les objets qui sont chez moi à la maison, lorsque j'ai fait un hérouve et que j'ai le droit de les sortir mes objets dans ma cour, alors ces objets-là, je ne pourrais pas les faire passer dans une autre cour où je n'ai pas fait le hérouve. Et vous, idem, vous avez fait le hérouve chez vous, vous avez le droit de faire passer les objets qui sont restés dans la cour, les faire passer chez moi, mais les objets qui sont chez vous dans la maison, vous avez le droit de les faire sortir dans votre cour, mais une fois qu'ils sont dans votre cour, vous n'avez pas le droit de les faire passer chez moi. Ça a l'air bizarre, je vais vous illustrer ça de manière beaucoup plus simple. Vous savez qu'il y a plein de difficultés à faire un hérouv. On va prendre à Jérusalem. On va faire un grand hérouv. Aller dans un quartier, comme le mien, à Ramoth, il y a plusieurs problèmes à résoudre. Il y a les problèmes des méchitsot à résoudre, tout d'abord. Sur ça, c'est super. On a étant donné qu'on habite en montagne, et qu'il y a des grillages de partout, tout ça, il y a des dénivelés. Ça fait qu'on réussit à être un peu enfermé, comme dans une muraille. C'est excellent. C'est ce qu'il y a de mieux pour fermer un quartier. Construire une muraille autour. Si vous pouvez le faire, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? Mieux que de faire des tours à pétard, c'est admis par tous les avis. Donc, côté, comment dire, topographique, si je peux dire, on est super bien enfermé chez nous. Mais une fois qu'on a fait le hérouv, il faut ensuite pouvoir, une fois qu'on a d'abord bien fermé, qu'on est considéré qu'on est tout encerclé par des super méchitsot. Maintenant, il y a deuxième étape. Faire le hérouv, s'associer. Il faut que chacun y donne un pain, il y a des solutions pour faire que tout le monde va donner du pain. Mais il y a des problèmes. C'est qu'il y a des gens qui habitent dans le quartier qui ne sont pas religieux. Ils sont Mechalele Shabbat Befaresia, ils transgressent le Shabbat en public. Et dans ce cas-là, ça s'appelle qu'ils sont Kofrim Bayrouv. S'ils sont Kofrim Bayrouv, on n'a pas la possibilité de faire, on n'a pas la possibilité de s'associer avec eux, de prendre un pain. Il faut forcément leur louer leur maison, et ils ne veulent pas louer leur maison parce qu'ils se sentent très, très blessés du fait qu'on les considère comme un peu à part. Ok? Ils n'ont pas compris qu'eux, ils se sont exclus du clan Israël, les pauvres. Et bon, bref. En tout cas, donc maintenant on a un problème pour faire un hérouv et c'est la grande galère. C'est-à-dire quand il y a des problèmes dans un quartier, il y a le problème des méchitsot et il y a le problème ensuite comment s'associer avec les chilonim, les laïcs qui ne respectent pas le Shabbat. C'est une grande galère. Du coup,
il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver mahmirim, qui ne vont pas vouloir faire sortir les objets de chez eux à la maison. De ces chez eux au dehors. On n'est pas sommaire sur le rouvre, on ne porte pas. Mais malgré tout, les objets qui sont déjà dehors, on a le droit de les planter dans tout le quartier. Du coup, si par exemple, entre Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, si j'ai la poussette de mon bébé qui est à la maison, alors il y aura un problème de prendre cette poussette et de la faire sortir dehors. Parce que si le hérouve, il n'est pas bien, il y a des problèmes de halakha, donc je ne pourrais pas prendre cette poussette et la faire sortir dehors. Parce que je peux le faire sortir du rechut ayachid au rechut commun, au domaine pour commun. Par contre, si la poussette, je la laisse déjà dans mon hall d'immeuble, je l'ai déjà mis dans un khatser, à l'entrée de Shabbat, et je la laisse, je ne la fais pas rentrer chez moi, d'accord? Je la laisse, j'aurai le droit de transporter ma poussette dans tout le quartier. Parce qu'il n'y a plus besoin de faire le rouf pour passer d'une cour à l'autre. Je pourrais même partir aussi chez mon ami qui m'a invité à Shabbat, je pourrais prendre ma poussette, je vais jusqu'à chez lui, je ne fais pas rentrer la poussette chez lui à la maison, je la laisse dans son hall d'entrée. Parce que nous, on est une cour, il y a des cours au milieu, tous les petits chemins de mon quartier, c'est considéré qu'ils sont tous dans le domaine public, et puis je rentre après dans son hall d'immeuble pour vous réaliser l'importance de cette halakha, que tous les khatserot ont le même statut, même si on ne fait pas de hérouf entre nous. C'est vachement important, vachement utile. C'est très concret, et concrètement, c'est super pratique. Ça résout plein de problèmes. Même si on ne veut pas être sur le hérouf, s'il y a des bonnes mechitzot, eh ben on se contente quand même de laisser les objets dehors. Une fois que les objets ils sont dehors, on a le droit de les porter, de toute façon, de les amener partout, tant qu'on reste dans un domaine pseudo-public, si je peux dire, dans une cour partagée. D'accord? Je reviens maintenant sur notre Mishnah, puisque je vous ai appris maintenant cette halakha-là que d'une cour à l'autre, on a le droit de porter. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de faire passer d'une maison à la cour. Imaginez maintenant, à cause des problèmes de ces gens qui ne sont pas pratiquants, eux, ils ne sont pas dans mon immeuble. Donc dans mon immeuble, je vais faire un hérouv. Du coup, puisque j'ai fait un hérouv dans mon immeuble, j'ai le droit de prendre ma poussette de ma maison et de la faire sortir dans l'immeuble. Mais je ne pourrais plus la prendre et la faire sortir en dehors de mon immeuble. Parce que là, en dehors de mon immeuble, j'ai plus fait le hérouv, puisque ça devient la partie commune avec ces gens-là, que je ne peux pas faire le hérouv avec eux. Vous avez compris le principe d'abord? C'est un peu... Ça veut dire qu'en fait, je vais me retrouver, imaginez maintenant, j'ai deux poussettes. Une que j'ai laissée dans le hall de l'immeuble, et une que j'avais chez moi à la maison. J'ai le droit de prendre la poussette de chez moi à la maison, puisque j'ai fait le hérouv avec les habitants de mon immeuble. Ouais, et eux, ils sont tous bien pratiquants. Ils sont chez moi Shabbat. Donc on a fait le hérouv ensemble, on a le droit de faire sortir d'un voisin l'autre. On peut prendre les poussettes, on les fait sortir dans le hall d'entrée, Mais on n'a pas le droit de... Mais ces poussettes-là, si toutefois le hérouv de l'extérieur, il n'est pas bon, je ne pourrais pas prendre la poussette qui était chez moi à la maison et la faire sortir dehors. Tandis que l'autre poussette que j'avais laissée dans la cage d'escalier, je dois la prendre et la faire sortir dehors. D'accord? Le principe, il est clair. Parce que tous les khatserot sont présentés comme un seul grand domaine, où il n'y a pas d'interdit de faire passer d'un khatser à l'autre, mais malgré tout, les objets qui étaient chez moi à la maison, je ne peux pas les faire passer. Du coup, ça va modifier toute la Mishnah. Qu'en fait, avec l'histoire avec l'épaisseur du mur qui était entre nous, entre les voisins, tout d'abord, quand la Mishnah me dit que vous mettez Arvin Shtaim, vous ferez deux hérouves, vous ne pourrez pas faire un hérouve. Quelle est la nécessité de faire, quel est l'enjeu de faire un hérouv ou deux hérouv? C'est pas faire passer d'un khatser à l'autre. C'est faire passer des objets de chez moi à la maison et faire passer chez l'autre. C'est-à-dire, si il y a le camion des enfants qui est dans ma cour et son fils a envie de jouer avec, je peux prendre le camion, le faire passer de l'autre côté, il peut jouer avec, il n'y a aucun problème. Mais par contre, les objets qui étaient chez moi à la maison, ils ont besoin de coca, ils ont besoin de jus de raisin pour Shabbat, je pourrais pas prendre le. Puisqu'on n'a pas fait de hérouve ensemble, je ne pourrais pas prendre la bouteille de jus de raisin de chez moi et la faire passer chez l'autre, puisqu'on n'a pas fait de hérouve ensemble. Ok? Ça, pour le moment, ça c'est clair, c'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'après, pour faire rentrer tout ça dans la mission, ça devient compliqué. Quand on va parler des murs qui étaient sur l'épaisseur du mur, des fruits qui étaient sur l'épaisseur du mur, du coup, on a le droit de prendre les murs et les manger aussi chez soi dans la cour. On n'a pas le droit de prendre ces fruits et les faire rentrer chez soi à la maison, parce qu'on n'a pas fait de hérouve entre nous. D'accord? Du coup, la Mishnah qui me dit tu montes sur le mur et tu les manges, c'était pas nécessaire de monter sur le mur et les manger. Ça, le Barthénora, l'Imtosatiumtov, ne s'occupe pas de répondre à cette difficulté. D'accord? Mais bon, voilà. On a tout expliqué. Bon, Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.